sob de documento oficial. Ou seja, receptuando-se documentos oficiais. Por beaucoup de choses, ce que nous avons dans les archives, c'est du deuxième main. Então, no que tange muitas e muitas coisas, aquilo que temos, que encontramos nos arquivos, são receitos de segunda mão. C'est ça. C'est ce que disait d'ailleurs l'un des grands historiens positivistes français, Samuel Beauce. É o que diziam grandes positivistas franceses, Samuel Beauce, por exemplo. Ce que nous observons dans les archives. O que nós observamos nos arquivos. C'est comme si un chimiste travaillait sur le compte rendu de son garçon de laboratoire. É como se químico trabalhasse nos relatórios de seu auxiliar de laboratório. Donc je ne vais pas revenir sur des choses qui sont effectivement très connues des historiens sur ce qu'on peut faire effectivement l'histoire et la sociologie des archives. Eu não vou retornar aqui a pontos que são bastante conhecidos pelos historiadores e pelo que poder se pode fazer em termos de história e sociologia dos arquivos. Disons qu'il faut à la fois dépasser cette espèce de fétichisme des archives. Mas em primeiro lugar é preciso ir além dessa espécie de fetichismo dos arquivos. Et puis peut-être rapprocher les méthodes de travail des uns et des autres, entre historiens et sociologues. Et talvez também aproximar as diferentes práticas de trabalho de uns e outros, ou seja, entre sociólogos e historiadores. Parce qu'effectivement, depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, les historiens, notamment les historiens du temps présent, comme on les appelle. Porque agora já há uns 20 ou 30 anos, os historiadores e os historiadores do tempo presente, como chamamos atualmente. Et donc que ces historiens du temps présent font également, donc ont la possibilité de faire de ce qu'on appelle en sociologie des entretiens, des interviews. Ils ont la possibilité de faire ce que se chama en sociologie entrevistas. Et donc c'est la question notamment de... C'est là aussi très intéressant de voir, hein, mais lorsque les historiens en français parlent justement d'entretiens, ils parlent beaucoup plus de témoignages. Na realidade, na França, quando se usa a palavra entrevista, se está, na realidade, significando muito mais testemunho do que entrevista propriamente dita. D'histoire orale, ou história oral, justamente. Donc, là aussi, il y a tout un travail, justement, de rapprochement qui est en train de se faire, puisque, en quelque sorte, bon, nous avons exactement les mêmes problèmes. Nous, sociologues, lorsque nous faisons des entretiens, que des historiens qui recueillent des témoignages. Ou seja, nesse ponto está acontecendo obrigatoriamente uma espécie de aproximação entre as duas disciplinas, porque nós encontramos exatamente os mesmos problemas na condição de sociólogos que os historiadores, na sua prática, quando estão também trabalhando em cima de entrevistas e testemunhos. Je laisse de côté ce point qui mériterait vraiment beaucoup, beaucoup plus de développement. Je voudrais passer ensuite au point suivant. Vamos deixar então este ponto que mereceria tratamento bastante mais longo, mas vamos passar ao parágrafo seguinte. Bon, je crois que le point suivant est peut-être l'un des points de friction ou d'interrogation entre sociologue et historien. Justamente esse último ponto é talvez dos grandes pontos de fricção, de atrito entre sociólogos e historiadores. C'est effectivement la place des concepts dans la construction de l'objet. Ou seja, o lugar dado aos conceitos na construção do objeto. Et donc, de quelle manière a-t-on le droit, du point de vue épistémologique, du point de vue historique, d'utiliser des concepts contemporains pour travailler sur un matériau historique? Até que ponto tem-se o direito de trabalhar com conceitos epistemológicos modernos para trabalhar sobre dados históricos? Alors, je crois que de ce point de vue-là, il y a une vérification qui est intéressante à faire. Eu acho que neste campo há uma verificação que seria interessante fazer. C'est notamment la question de l'index, l'index thématique. Que seria a questão do índice temático. Je ne sais pas ce qui se pratique ici, mais en France, nous avons parfois beaucoup de difficultés à obtenir que les livres soient avec des index à la fin. Não sei como acontece aqui no Brasil, mas na França é muito difícil conseguir os livros que tenham índice temático no final. Bien. Et donc, moi, ce que je demande à mes étudiants, quand ils sont en thèse, c'est de faire un index à la fin de leur thèse.
E o que eu peço aos meus estudantes, quando estou orientando uma tese, é que eles façam um índice no final da sua tese. Alors, généralement, ils ne sont pas du tout contents, parce que c'est la fin de la thèse, ils sont très pressés, ils n'ont pas le temps, et donc je me fais engueuler. Geralmente, eles ficam furiosos, porque ao final, já estão no final da tese, já estão com pouco tempo, ficam furiosos, geralmente me dizem horrores. Alors, j'insiste. Mas eu insisto. Assez souvent, bon, j'arrive à leur faire faire avant la soutenance, justement, un index. Et muitas vezes, eu consigo fazer com que eles façam esse índice antes da sustentação oral. Donc, vous voyez assez bien, si vous voulez, à partir d'un index. Je laisse de côté l'index des noms, mais l'index thématique, quel est justement le champ sémantique d'un travail. Vocês veem que eu abandono a questão do índice dos nomes. Eu estou apenas pedindo um índice temático para ver exatamente em que campo semântico eles estão trabalhando. Vous verrez qu'un index fait par des historiens, soit ont des concepts propres aux historiens. E vocês vão ver que um índice realizado por historiadores ou se baseia em conceitos próprios aos historiadores. Par exemple, notamment, ça a été le concept de sociabilité qui a été effectivement très très largement utilisé. Donc, bon. Après l'histoire sociale. O conceito de sociabilidade, por exemplo, que foi amplamente utilizado depois da história social. L'histoire des mentalités. A história das mentalidades. Ou bien un vieux concept de Lucien Febvre qui s'appelle l'outillage mental. Ou um antigo conceito de Lucien Febvre que significa a instrumentação mental. C'est-à-dire ce que nous avons dans la tête, est-ce que c'est l'habitus de Bourdieu? Je ne crois pas exactement. Ou seja, é aquilo que nós temos na cabeça. Será que se trata do hábitos de Bourdieu? Acredito eu que não. Mais généralement, si vous voulez, même les historiens qui utilisent justement cette armature conceptuelle ne le mettent pas en annexe. Mas vocês vão ver que os mesmos historiadores que usam essa estrutura conceitual não a colocam em seus índices. Bon, alors au contraire, si vous voulez, donc, bien souvent vous retrouvez dans les travaux qui portent sur les objets historiques chez les sociologues, donc un index thématique avec donc des concepts sociologiques. E vocês vão ver que nos trabalhos feitos pelos sociólogos, muitas vezes nós vamos encontrar esse índice temático, mas elaborado a partir de conceitos próprios aos sociólogos. Bon, et donc le problème là, il est énorme, donc je vais juste le pointer. E aqui trata-se de um problema imenso. Et je suis apenas assinalando aqui. Voilà, c'est-à-dire que dans quelle mesure on peut utiliser, par exemple, à la fois le terme, le concept et l'ensemble donc des instruments intellectuels d'un mot comme compétence politique pour le 19e siècle. Em que medida podemos usar, par exemple, a palavra, o conceito et l'appareil intellectuel que usamos hoje em relação à competência, competência política no século XIX. Est-ce qu'on fait quelque chose d'épouvantable pour un historien? Est-ce qu'on fait un anachronisme total? Ou será que estamos cometendo um ato absolutamente inaceitável para um historiador, um anacronismo social? Ou bien est-ce que, justement, le fait d'avoir cette espèce donc, de matériel intellectuel, de cette tradition intellectuelle gravée dans le mot compétence politique, permet de voir des choses sur le 19e siècle que l'on n'aurait pas vu si on n'avait pas utilisé. Ou será que ce matériel intellectuel que nous avons ligado à la palavra, au vocabulaire, competência política, nous permet analisar seriamente esse aspecto do século XIX. Et donc on pourrait multiplier les exemples, c'est pas seulement compétence politique. Poderíamos multiplicar os exemplos, não é somente competência política. Ça peut être tout le vocabulaire que nous utilisons, par exemple ressources. Pode ser todo o vocabulário que nós utilizamos, por exemplo, recursos políticos. Capitaux politiques. Capitais políticos. Etc, etc. Bon, et donc vous avez effectivement donc, tout un appareillage conceptuel. Et vocês vão ter então todo um aparelhamento intelectual. Dont vous pouvez vous servir à la fois, bon, sur la question du vote, sur la question de la mobilisation sociale, de la révolution. Que tange ao voto, à mobilisation sociale, à révolution.
Par exemple, faire l'étude de la révolution de 1835 ici, par exemple, avec les concepts qui sont tirés, pourquoi pas, de l'école de la mobilisation des ressources ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça nous permet de voir? Par exemple, la guerre des fanables ici, par exemple, avec études relatives à la mobilisation politique, par exemple, quoi pourrait être le résultat? Vous voyez bien entendu qu'on est sur un terrain glissant. Vocês veem que nós estamos então num terreno de areia, movediça. E que je ferai une réponse consensuelle. E eu daria uma resposta consensual. Effectivement, on peut essayer. Je pense qu'effectivement, les historiens parfois aussi utilisent exprès de l'anachronisme. Os historiadores utilizam muitas vezes propositalmente o anacronismo. Seria possível tirar conclusões interessantes. Et donc, je pense que là aussi, il est intéressant de voir ce que ça donne. Et je pense que c'est intéressant de voir qual é o resultado, testar esses conceitos. Ensuite, l'un des problèmes étant effectivement le problème d'écriture, savoir si on garde les concepts. Outro problema, depois o problema da escrita, saber se se conservam esses conceitos. Si on garde les concepts donc comme éléments de la démonstration. Como elementos da demonstração. Et puis également, ben, c'est un problème d'écriture par rapport aux historiens. E depois o problema da escrita relativo aos historiadores. Est-ce que le travail du socio-historien, c'est en quelque sorte de faire un travail d'historien avec d'autres moyens? Será que o trabalho do socio-historiador é o mesmo trabalho do historiador que utiliza apenas outros meios? Ou bien est-ce que c'est justement un travail plus conceptuel? Ou será que se trata de um trabalho mais conceitual? A savoir, par exemple, si je prends l'exemple de la guerre révolutionnaire de 1835. Ou seja, se eu tomo o exemplo da guerra da Revolução de 1835, cet événement va m'intéresser à la fois comme événement. Este fato vai me interessar em primeiro lugar. Como fato, mais aussi pour faire fonctionner des concepts et voir ce que justement les théories peuvent m'apprendre, mais également ce que cette guerre permet de, en quoi cette guerre permet de faire avancer les théories. Mas também ver em que medida eu posso usar novas teorias, conceitos, etc. E também tentar verificar de que maneira esta abordagem desse fato histórico me permite fazer evoluir, avançar estas teorias. Et donc, pourrait-on dire, à ce moment-là, mon objet ne sera pas la guerre révolutionnaire de 1835. Ou seja, nós poderíamos dizer neste momento que o objeto, então, não seria mais para mim a guerra de 1835. Cette guerre sera un exemple et sera le sous-titre de l'ouvrage que je pourrais faire dessus. Mas ela poderia ser apenas um subtítulo da obra que eu poderia escrever a esse respeito. Mon troisième et dernier point, c'est sur les frontières du phénomène politique. Então, o terceiro e último ponto são as fronteiras do campo político. Bom, ça, je reviendrai sur cette question, parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est au cœur de beaucoup d'interrogations. Eu retornarei a essa questão, porque realmente é algo que se encontra no âmago de muitas interrogações. Et vous savez très très bien qu'il y a plusieurs définitions possibles, donc, du phénomène politique. Você sabe que há muitas definições possíveis do fenômeno político. E que, par definição, bien entendu, le politique, c'est aussi un enjeu de definição. Effectivement, on va éventuellement, selon les périodes, selon les individus qui parlent, selon les pratiques, au contraire, l'étendre très largement, au contraire, le restreindre. E você sabe que o político, muitas vezes, é contencioso do ponto de vista das definições, porque, segundo a época, segundo os contextos, essa palavra poderá ser extremamente ampliada no seu significado ou, contrariamente, em outros momentos, ser totalmente reduzida. Bien, alors, je termine par le paragraphe du milieu, historia política, etc., etc. Eu vou terminar por este parágrafo do meio, história política, etc. Non pas pour faire des querelles d'école, hein, je voudrais que ne pas apparaître comme quelqu'un de sectaire qui fait une espèce de carte avec les bons et les méchants. Eu não queria então aqui terminar fazendo, digamos, levantando o problema de briguinhas e diferenças fortes. Eu não gostaria de parecer aqui uma pessoa sectária que estivesse fazendo, mapeando os bons e os maus para vocês. Bon, et donc vous avez en gros, si vous voulez, sur la question du politique, trois ou quatre ou cinq manières donc d'aborder le politique du point de vue donc historique. Vocês têm aqui então, mais ou menos três, quatro, cinco formas de abordar a questão do político do ponto de vista da sociologia.
Bon, le premier point de vue, c'est ce qu'on appelle l'histoire politique. Le premier point, c'est l'histoire politique. Qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, bon, je n'ai pas le temps non plus de rentrer dans les détails, il y a tout un débat sur ce qu'on appelle le retour du politique depuis une vingtaine d'années. Atualmente, eu não tenho tempo de entrar, digamos, muito detalhado nessa questão, mas falamos de um retorno do político. Donc, há mais ou menos uns 20 anos, esse tema está em pauta na França. Então, ceux qui s'intitulent historien du politique, généralement, refusent cette étiquette et maintenant parlent d'histoire culturelle du politique. Então, aqueles que se intitulavam historiadores do político, do campo político, agora chamam história cultural da política. Donc, la deuxième manière éventuellement de travailler sur le passé, c'est la sociologie historique du politique. Une autre manière de faire une abordage sociologique du passé serait faire une abordage sociologique du passé. Et donc la sociologie historique du politique, disons qu'il y a une tradition qui est assez longue, si vous voulez, à la fois dans la sociologie allemande et dans la sociologie américaine. Et la sociologie historique du politique a une tradition assez longue, tant dans l'école américaine comme dans l'école allemande. C'est effectivement, disons, de la macro-sociologie en général. C'est une espèce de macro-sociologie, je parle de général. Ce sont des grands modèles explicatifs, par exemple, je pense à Rockham sur la carte conceptuelle de l'Europe. São grandes modelos explicativos. Eu penso, por exemplo, no autor Rockham sobre a carta explicativa, o mapa explicativo da Europa. Je pense effectivement aux travaux de Barrington Moore, par exemple, sur la sociologie des révolutions, etc. Eu penso, por exemplo, nos trabalhos de Barrington Moore sobre a sociologia das revoluções. Qui peuvent s'appuyer à la fois sur une tradition weberienne ou sur une tradition marxiste. Que poderiam se apoiar ou numa tradição weberiana ou numa tradição marxista. En règle générale, si vous voulez, tous ces historiens ne travaillent pas, tous ces sociologues ne travaillent pas sur archives. Hein, ce sont des objets généralement beaucoup, beaucoup plus larges. Et c'est ça. Bon. La troisième école, si je fais un peu une espèce de panorama, c'est ce qu'on appelle l'histoire intellectuelle ou conceptuelle du politique. Une terceira escola, se eu fizer uma espécie de, se eu tentar terminar com uma espécie de panorama desse campo para vocês, seria a história conceitual do político. Et donc, je pense que le nom de Rosenbach, ou intellectuel. A história conceitual ou intellectual do político. Et donc, je pense que le nom de Rosan Ballon vous dit quelque chose. Eu imagino que vocês conhecem o nome de Rosan Ballon. Ses ouvrages ont été traduits en portugais, mais c'est ça. As suas obras foram traduzidas em português. Et donc, il y a un ensemble, justement, de volumes à la fois sur Guizot, sur également la formation du citoyen. Existe uma. Essa obra contém um certo número de volumes. No que tange, por exemplo, aos temas de Guizot, formação de cidadão. Alors, c'est, si vous voulez, quelque chose qui tente de se rapprocher en histoire des idées de l'école de Cambridge. É algo que tenta se aproximar da história das ideias da escola de Cambridge. Notamment de gens comme Skinner, qui ont travaillé sur Machiavel. Pessoas, por exemplo, como autores como, por exemplo, Skinner, que trabalhou sobre Machiavel. Et donc le travail de Rosan Ballon se veut justement différent d'une histoire des idées classiques. Le travail de Rosan Ballon, justement, est un travail différent des idées classiques. Et mais travaille essentiellement sur des textes, pas beaucoup sur des pratiques. Et il travaille principalement sur des textes et non sur des pratiques. O que m'intéresse sont justement les textes. Et donc il y a tout un débat autour justement de la place de Rosan Ballon à l'heure actuelle dans les sciences sociales en France. Então existe um grande debate atualmente sobre o lugar que ocupa Rosan Ballon na sociologia atual da França. Certains le rejetant, pourrait-on dire, dans une forme renouvelée d'histoire des idées. Alguns rejeitando numa forma renovada da história das ideias. Alors que pour ma part, je considère effectivement que c'est une contribution importante, mais pas entièrement convaincante. Enquanto eu considero esse autor, a abordagem desse autor, bastante importante, embora não totalmente convincente. Au sujet justement de la formation des systèmes de représentation mentaux. No que tange especialmente aos sistemas de representações mentais. On pourrait appeler, bon, en faisant un jeu de mots marxiste, inverser les infrastructures cognitives.
o que nós poderíamos dizer, fazendo trocadilho marxista invertido, as infraestruturas. As infraestruturas cognitivas. C'est ça, c'est-à-dire ce que nous avons en tête pour penser le monde. Ou seja, o que nós temos na cabeça para pensar o mundo. Et c'est ce qui m'intéresse justement dans le travail de Rosan Vallon, c'est justement la mise à jour, la mise en évidence justement de ces façons, ces concepts, ces formes de pensée, ces cadrages, ces framings, comme on dit en anglais, qui permettent de penser le monde social, historiquement. E justamente o que me interessa no trabalho de Rosan Vallon é justamente essa, digamos, essa possibilidade de pensar nesse enquadramento do mundo social atual. Mais vous n'irez pas dire à mes amis français que j'ai dit du bien de Rosan Vallon au Brésil. Mas por favor, não diga aos meus amigos franceses que eu falei bem de Rosan Vallon no Brasil. Bien. Alors le dernier mot, pourrait-on dire, sur lequel je voudrais revenir du point de vue de définition, c'est l'anthropologie politique. O último ponto que eu gostaria de retornar é a palavra, o conceito de antropologia política. Alors, le terme en France a d'abord été utilisé beaucoup plus par des gens qui travaillaient sur le monde médiéval. Essa palavra foi muito mais utilizada na França por pesquisadores que trabalhavam contendo por objeto o mundo medieval. Et notamment par quelqu'un qui s'appelle Jacques Le Goff. E especialmente por Jacques Le Goff. Qui est un des grands historiens, qui est toujours en vie, un des grands historiens du Moyen-Âge. Que é dos grandes historiadores da Idade Média, quer dizer, ele ainda está vivo. Et qui a fait paraître il y a 10 ans maintenant un énorme volume de 900 pages. Sur Saint-Louis, sur un des grands rois de France. Qui publicou há uns 10 anos um livro de 900 páginas sobre Saint-Louis, Saint-Louis, que foi dos reis da França. Et donc qui se voulait justement une biographie non biographique. E que pretendia ser uma biografia não biográfica. Une biographie anthropologique, pourrait-on dire. Uma biografia antropológica, poderia dizer. Pas une biographie positiviste, on part de la naissance jusqu'à la mort. Não uma biografia positivista, em que se parte do nascimento, se narra a vida do indivíduo até a morte. Mais en essayant d'intégrer dans la vie du roi, justement, des éléments d'anthropologie et de sociologie pour comprendre ce que c'est qu'un individu, et particulièrement un roi au Moyen-Âge. Mas tentando incorporar essa biografia em noções de sociologia e de antropologia para entender o que era um indivíduo e especialmente um rei na Idade Média. E donc Le Goff a effectivement a écrit un article célèbre et très violent contre l'histoire politique. Le Goff escreveu então um artigo célebre e violento contra a história política. A história política. A história política é ainda a espinha dorsal da história. Voilà. Donc c'était effectivement une interrogation sur la place de l'histoire politique de manière générale en histoire et particulièrement en histoire du Moyen-Âge. Et il a fait reparaître ce texte dans l'introduction qu'il a faite d'un ouvrage célèbre et très ancien de Marc Bloch, qui est un des grands historiens français. Ça, comme introduction. Pour la réédition d'un ouvrage. Et il usou esse texto comme introduction à une œuvre importante de Marc Bloch, qui foi rééditada. Et c'était un ouvrage de 1924. Era uma obra de 1924. Et qui s'appelait Les Rois Thaumaturges. Et qui se chamava Os Reis Thaumaturgos. C'est-à-dire les rois qui pouvaient réaliser des miracles. Qui pouvaient réaliser des miracles. Notamment le roi d'Angleterre et le roi de France sont considérés comme thaumaturges, peuvent guérir toute une série de maladies le jour de leur sacre. Os reis, comme os reis, spécialement da França et de l'Inglaterre, qui, quand de sua coroação, passaram à poder curar uma série de doenças. Et cette croyance se maintient en France jusqu'à la Révolution française. Et essa crença vai então perdurar na França até a Revolução Francesa. Le dernier roi qui essaye de l'utiliser, c'est en 1825. O último rei a tentar utilizá-la foi em 1825. Mais ça ne marche plus beaucoup. Mas já não funcionou tão bem. C'est terminé, là, les gens ne croient pas qu'ils puissent guérir simplement en faisant l'imposition des mains, même pour un roi. Estava terminada essa ideia de que era possível curar apenas com a imposição das mãos, mesmo no caso de um rei.
Alors, je ferme la parenthèse en disant effectivement que dans cet article de la réédition de l'ouvrage de Marc Bloch, eu gostaria então de fechar esse parênteses dizendo apenas que nesta introdução a essa reedição da obra de Marc Bloch, Jacques Le Goff parle d'une anthropologie politique historique. Jacques Le Goff parle d'une anthropologie politique historique. Alors, où se place la socio-histoire par rapport à tout cela? Qual o papel e onde está, em qual lugar da sócio-história em relação a tudo isso? Je crois que nous avons également donc emprunté bien sûr beaucoup aux historiens. É claro que nós aprendemos muito, que nós tomamos de empréstimo muitos dos conceitos dos historiadores. Je crois également qu'il y a eu tout, il y a également bien entendu l'utilisation des méthodes anthropologiques, voire éventuellement, certains ont parlé d'une ethnographie historique. É claro que nós usamos muitas ideias antropológicas, muitos chegaram a falar de uma etnografia histórica. Évidemment, on ne peut plus rien observer. On observe des archives et on essaye d'avoir une espèce de position d'observateur par rapport aux archives. Mas é claro que nós não podemos mais observar nada, nós observamos os arquivos e tentamos, então, entender uma série de posições em relação a esses arquivos. Moi, j'ai travaillé sur les meetings politiques et la fin du 19e siècle. J'essayais de les observer, mais effectivement, je ne pouvais pas aller sur le terrain pour écouter ce que disaient les orateurs. Eu, por exemplo, trabalhei muito na noção de meeting politique. De comícios políticos do final do século XIX, exatamente. Mas eu não podia, effectivement, mas eu não podia realmente observar esses comícios de perto. Bien. Et puis, bien entendu, aussi, on a emprunté, donc, bien entendu, au concept sociologique tel que j'ai pu vous en parler jusqu'à présent. E, então, mas trata-se mais uma vez de um termo tomado de empréstimo à sociologia, como eu acabava de explicar há pouco. Donc, je conclue simplement par le dernier petit paragraphe. Eu gostaria de concluir pelo último parágrafo que vocês têm aqui nesse resumo. Sur justement alguns ramos onde sobre esses ramos onde se desenvolveram os estudos de sócio-histórico. Alors, effectivement, je vous parlerai plus précisément la semaine prochaine des travaux qui ont lieu sur le vote. Eu vou então falar mais detalhadamente na semana que vem sobre os trabalhos realizados quanto ao assunto do voto. Puisque nous avons été donc nombreux à travailler sur la sociologie du suffrage et de la représentation. Pois nós somos muitos a trabalhar sobre a sociologia do sufrágio e da representação. Donc, dans des optiques à la fois complémentaires et différentes, puisque Rosan Vallon aussi a travaillé sur ce problème-là. Sobre óticas complementares e diferentes ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, Rosan Vallon trabalhou também sobre esse tema. Bom, há également, bien entendu, dans cette avancée socio-historique, un travail renouvelé sur la sociologie de l'État. É claro que nestes avanços socio-históricos há também trabalho sobre a sociologia do Estado. Et également sur la sociologie des catégories sociales, dont je vous ai parlé, là aussi. Et também sobre a sociologia das categorias sociais, de que falei anteriormente. Bon, donc je ne vais pas vous faire un catalogue, donc on aura l'occasion, là aussi, en fonction de vos interrogations et de vos sujets de recherche, peut-être d'aborder aussi bien donc, publiquement qu'en privé, donc ce genre de problème. Eu não quero fazer aqui uma lista exaustiva, nós teremos a oportunidade de discutir esses pontos em função dos interesses de vocês, tanto aqui nesses encontros coletivos, quanto privadamente, com aqueles que os desejam. Que os desejar. Muito obrigado. Bem, eu agradeço vivamente a exposição do professor Michel Ferreira. Nós podemos fazer um pequeno bloco de questões e gostaria de lembrar antes disto que nós temos, portanto, na quarta-feira, à tarde, aqui neste lugar, às 14h30, o professor Ferreira vai trabalhar especialmente sobre os partidos políticos na ótica da sócio-história. Hoje ele apresentou aqui, não é, os seus princípios. No dia
do dia 12, segunda-feira que vem, às 9 horas, nós vamos tentar começar às 9 horas, tá? Para não nos estendermos depois do meio-dia, quer dizer, eu peço que vocês sejam pontuais. O professor Fermento trabalhará sobre a sócio-história do sufrágio universal. E no dia 14, quarta-feira, às 14h30, aqui também, a sociologia da participação e da militância política. Então, quinta-feira, o professor generosamente se põe à disposição, quinta-feira, pela manhã e pela tarde, se põe à disposição daqueles que quiserem conversar com ele a respeito dos seus objetos de pesquisa, né, na sala 230, aqui no prédio ao lado, aqui paralelo, né, o prédio da Instituição da Biblioteca. Né, a partir de 10h jusqu'à 18h. Tá certo. Entre as 10h e as 6 horas da tarde, o professor estará à disposição para conversar privadamente, portanto. Que, se vous voulez de discuter avec moi de sujets, aussi bien pour votre thèse, d'abord, mais également s'il y a des gens qui sont en espagnol, je suis prêt éventuellement aussi à les recevoir. Donc, je comprends quand même le portugais, donc, mais bon, je ne pourrais pas vous répondre en portugais. Hein. Perfeito. O professor está dizendo que está disponível não só para os doutorandos, mas também para os mestrandos, que quiserem conversar sobre o seu objeto de pesquisa. E como ele compreende razoavelmente português, isso também não será problema à comunicação. Mais uma vez, lhe agradeço a sua disposição. E, portanto, se alguém quiser fazer uma pergunta, o professor André Marinho. Senhor André, eu gostaria de à propos de l'influence et surtout les rapprochements entre l'approche que vous nous avez présentée, oui, socio-historique, et autre approche très importante, surtout dans la science politique anglo-saxonne, qui c'est l'institutionnalisme historique. Pour moi, avec quelques rapprochements significatifs. Et alors, effectivement, ce qu'on a appelé les courants néo-institutionalistes, quelque peu chamados correntes néo-institutionalistes, sont des courants qui sont nés essentiellement aux États-Unis, également au Royaume-Uni, dans aussi bien la science politique et également chez un certain nombre d'historiens. São correntes que nasceram nos Estados Unidos e também no Reino Unido, em alguns ramos da sociologia e também entre alguns campos da história. Então, ce sont des courants, effectivement, dont on a entendu parler en France, qui, il y a eu tout un débat autour du néo-institutionalisme dans les années 90. São temas que ouvimos falar na França, houve toda uma série de debates nos anos 90 a respeito do neo-institucionalismo. Alors, la question, si vous voulez, de l'institution, notamment de l'institution étatique, puisque bien souvent il s'agissait effectivement de la question de l'institution étatique et notamment de la nécessité de réintroduire à la fois, disons, de l'État et également du droit dans les réflexions de science politique. Isso, obviamente, pensando sobre a institucionalização estatal. Porque a questão era ver até que ponto era necessário reintroduzir-se conceitos do direito, né, e da sociologia na questão da institucionalização estatal. Étaient des questions, d'une certaine manière, qu'on se posait peut-être pas avec le même vocabulaire, mais qui étaient déjà posées en France. Eram questões que não eram formuladas, talvez, com os mesmos termos, mas que já eram levantadas na França. Alors, pour deux raisons, une raison politique et une raison scientifique. E isso por duas razões, uma razão política e uma razão científica. Alors, la raison politique, ça tient simplement au fait que la France a toujours été un pays avec un État fort, donc avec un État très central dans les relations sociales, puisque... La raison politique, vous parlez de la France, c'est toujours un État très fort, très centralisé. Au point d'ailleurs que l'une des définitions de Bourdieu de l'État avec lesquelles je ne suis pas en accord. À point de ce qu'une des définitions de Bourdieu
quant au Estado, dizendo que a definição com a qual eu não estou de acordo, parce qu'elle est trop franco-française, pelo fato dela ser excessivamente franco-francesa, c'est l'État est une institution qui revendique avec succès le monopole de la violence physique et symbolique légitime. C'est-à-dire qu'il ajoute donc à la définition weberienne donc le symbolique. O Estado é a instituição que reivindica o monopólio da violência física e simbólica legítima. Da violência física e simbólica legítima. Ou seja, ele acrescenta a definição weberiana à palavra simbólica. Donc, ce qui me paraît être une définition beaucoup trop franco-française, parce qu'effectivement, l'État n'a pas du tout ce genre de monopole dans l'ensemble des pays, du point de vue des catégorisations. Lorsqu'on voit l'État américain, effectivement, bien entendu, définit les identités des gens, mais n'a certainement pas la même force que l'État français. Ou seja, c'est une définition extrêmement française, extrêmement propre à France, parce que, par exemple, na maioria dos países, o Estado não tem esse papel tão forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado tem um papel muito importante na formação das identidades, por exemplo, mas isso não vai tão longe quanto na França. O Estado não tem o peso que tem o Estado francês. Então, a questão, se vous voulez, de l'institution, e particularmente de l'institution étatique, était une question qui se posait, qui devait se poser à tous les chercheurs, justement, en France. Essa questão, então, da institucionalização estatal era uma questão que deveria ser levantada com todos os pesquisadores na França. Donc, par exemple, notamment par exemple par rapport au à l'un des ouvrages manifestes Bringing the State In Back In des années 1985 ou 87 donc, autour de Scopol, etc. etc. Enquanto a obra, por exemplo, Breaking the State, de 1986-87. E donc, c'était effectivement une espèce de redécouverte des Américains que the state matters, hein, que l'État, ce qui se passe, notamment dans l'appareil d'État, mais c'est pas quelque chose de simplement superficiel, et c'est pas simplement la société qui. Era une espèce de redécouverte, une redécouverte des Américains. Hein? Bon, ça c'est une raison, pour tenir une raison politique, et une raison également de type sociologique. Et une raison aussi de type sociologique, ou seja, proprement scientifique. C'est que dans la mesure où la science politique s'est en France écartée du droit. Na medida que na França, a ciência da sociologia distanciou-se do direito. Il y a eu un problème, là encore, hein, de lutte aux frontières. Mais uma vez temos aqui um problema de lutas de fronteiras. Et donc dans un premier temps, on s'est séparé des juristes en disant on n'a plus rien de commun ensemble. Em primeiro lugar, então, nós nos separamos dos juristas, dizendo não há mais nada em comum entre os dois campos. Et dans un deuxième temps, donc on est revenu sur la question justement du droit et des institutions comme objet de sociologie. Em um segundo momento, nós voltamos então à questão do direito e das instituições como um problema de sociologia. Et donc lorsque vous prenez par exemple quelqu'un comme Lagroix qui est l'auteur du manuel le plus important je crois à l'heure actuelle en sociologie politique. Et quand vous pensez par exemple une œuvre comme l'œuvre de Lagroix qui est peut-être le meilleur auteur dans le domaine de la sociologie politique actuellement. Disons que Lagroix fait aussi de l'analyse sociologique des institutions mais est aussi une forme de néo-institutionnalisme à la française, avec, si vous voulez, donc une tradition française. Bon, il connaît bien entendu aussi le néo-institutionnalisme historique, sociologique, étranger, mais il y a véritablement, si vous voulez, une filière française du retour vers les institutions. Il fait une analyse de ce que serait le néo-institutionnalisme français. C'est clair qu'il connaît, du point de vue historique, le néo-institutionnalisme des autres pays, mas ele faz uma análise do que seria o neo-institucionalismo na França ligado à realidade, ao contexto francês. E donc, se vous prenez, par exemple, l'ouvrage qui est paru l'année dernière, je crois que tu l'as, c'est la politisation, hein, qui est un ouvrage dirigé par Lagroix. E se vocês tomarem, por exemplo, a obra dirigida por Lagroix a respeito da institucionalização. E avec la politisation. A politização, desculpa. Avec. Lagroix. On dit Lagroix. Il y a Lacroix et Lagroix. Lagroix.
Et donc l'ouvrage qui est rédigé par une partie des amis et des doctorants de la droite a pour fil conducteur la question justement des institutions. E os colaboradores então, que trabalharam nessa obra de Lacroix têm justamente em comum essa questão, essa evolução da instituição. Lacroix est en train justement de travailler, fait une enquête de terrain justement sur une institution particulière en France. Lacroix faz uma análise da instituição, da evolução das instituições na France. Donc si vous lisez le français, effectivement, le manuel de sociologie politique de Lacroix, qui a été réédité en 2003, bon, est à mon sens l'un des meilleurs manuels, c'est énorme, c'est 600 pages, bon, mais c'est l'un des meilleurs manuels de sociologie politique en langue française qui existe. Para quem lê em francês, esse é um dos maiores livros que surgiram no campo da sociologia histórica recente. É um livro de umas 600 páginas. Mas il y a des chapitres. Il y a des chapitres et il y a un index, ce qui est très important. Vous pouvez éventuellement lire trois pages si vous voulez. Si vous êtes intéressé par les institutions, il y a plus de trois pages. Si vous êtes intéressé par la compétence, il y a quelques pages. C'est très utile là aussi, comme ça vous pouvez aller à l'essentiel. Ou seja, c'est un livre qui tient aussi un index. Ninguém é obrigado a ler o livro inteiro. Se vocês procurarem, por exemplo, a questão das instituições, vocês vão encontrar três páginas, ou certamente mais do que três páginas, mas poderão ir direto ao ponto que os interessar, sem precisar passar pela obra toda. Je pourrais répondre soit mercredi, s'il y a des questions ensuite qui sont nées depuis, et puis également, s'il y a des gens qui ne veulent pas me poser des questions en public, ils peuvent venir jeudi ou me les poser en privé, en France dans l'autre. J'espère que la quarta-feira, il va pouvoir répondre à d'autres questions que porventura acha uma maturação dessa palestra de hoje, né? E quem quiser também fazê-la de forma privada pode vê-la na sala 230, né? Na quinta-feira, onde ele estará em permanência das 10 às 18 horas.